Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur annonça son message à Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Que votre grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, vous nous avez fait connaître l'incarnation de votre Fils bien-aimé. Conduisez-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Grand-mère, donne-nous l'esprit ou là, l'esprit, pour comprendre tes bails pour Dieu, jour, la bonne côte là, pour nous faire parole là, ma chépie devant besoin comprendre parole là, besoin pour nous vivre parole là, pour nous faire travail comme être la vie. Grand-mère, nous énervons, mais nous, un capteau de vérité, oula, pour nous, l'esprit sage et sous, pour marcher d'après commandement, où il y a besoin pour une parole là, besoin pour une vie parole là, pour nous faire travail comme être la bien. Thank you.
des paroles ou mais l'esprit nous trop fait pour bien comprendre les panneaux. L'esprit l'imia ou là, pour comprendre parole là, puis bien chaque jour. Besoin comprendre parole là, besoin pour vivre parole là, pour faire travail pour mettre la bien. Grand-mère, on nous remet où? Pour nous, si mes paroles vont comprendre nous, non, la vie t'a prouvé, ni t'établi dans mes tonnes. Besoin pour prendre parole là, besoin pour une vie de parole là, pour nous faire travail pour mettre la bien. Bonjour et bonsoir à nous toutes et à nous chaque. N'importe côté que vous écoutez nous, nous disons bienvenue dans la deuxième partie émission Réveil matinal. Dans la deuxième partie, nous pourrons le faire pour même lecture que nous gagnons pour journée aujourd'hui, qui sortit de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Na chanté somme nan qui c'est somme 110 entre parenthèses 111 et na fait lecture pour dans l'évangile là qui sorti dans Saint-Luc. Jodi an c'est mercredi 20 septembre 2023. Première lecture nous gagnons pour jodi mercredi an sorti de la première lettre de Saint-Paul apôtre à Timothée. Chapitre 3, versets 14 à 16. Première lecture nous gagnons pour aujourd'hui, mercredi 20 septembre 2023, sortie dans la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Chapitre 3, prenant verset 14, rivé dans verset 16. Grand-mère, on vit n'avons où, mais nous, à capton de vérité ou là, pour nous, esprit sage et sous, pour nous marcher d'après commandement où il y a besoin d'entendre parole là. Besoin pour une vie de parole là, pour me faire travail, pour mettre la bien. Mais l'esprit nous trop fait pour bien comprendre les panneaux. L'esprit l'imia ou là, pour nous comprendre parole là, puis bien chaque jour. Besoin comprendre parole là, besoin pour nous vivre parole là, pour nous faire travail, pour mettre la bien. Grand-mère, on nous remet où? Pour nous, si mes paroles vont comprendre nous, non, la vie t'a prouvé, ni t'établi dans mes tonnes. Besoin comprendre parole là, besoin pour une vie de parole là, pour nous faire travail, pour mettre la bien. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je t'écris avec l'espoir d'aller te voir bientôt.
mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Assurément, il est grand le mystère de notre religion. C'est le Christ, manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, couru dans le monde, enlevé dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme réponse, psaume 110, entre parenthèses 111. Comme réponse, psaume 110, entre parenthèses 111. Grand-mère, nous venons vers vous, mais nous, pas captons de vérité ou là, pour nous, esprit sage et sourd, pour ma chérie. Mais l'esprit nous trop fait pour nous bien comprendre à nous. L'esprit ligne là pour nous comprendre parole la vie bien chaque jour. Besoin comprendre parole là, besoin pour nous vivre parole là, pour nous faire travail comme être la bien. Grand-mère, on nous remet pour nous, si mes paroles vont comprendre nous, dans la vie pouvez-vous t'établir dans mes temps. Besoin comprendre parole là, besoin pour une vie de parole là, pour faire travail pour mettre la bien. J'ai d'après commandement où il y a besoin de comprendre parole là,
comme réponse. Grandes sont les œuvres du Seigneur. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur. Dans l'assemblée, parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Noblesse et bonté dans ses actions. À jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur a tendresse et pitié. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Évangile l'on gagné pour aujourd'hui, mercredi 20 septembre 2023. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Évangile l'on gagné pour aujourd'hui. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Chapitre 7, versets 31 à 35. Luc, chapitre 7, prenant verset 31, revenant dans verset 35. Thank you.
Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer la génération, les gens de cette génération? À qui ressemble-t-il? Il ressemble à des gamins assis sur la place, qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu, en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin. Et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais pour tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Grand maître, bas-nous l'esprit ou là, l'esprit beaucoup plus.